La famille à moi, c'est lui, c'est toi. 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 Si le papa te lit la chérie. Toujours joli garçon. Hein. Oh, tu m'as menti. Embrasse-moi, papa. Papa, embrasse-moi. Dosso! Thérèse! Encore-toi ici! Tété, où tu étais passé? Tu sais, tu m'as tellement manqué. Je sais, mon chéri. Ça va? Et comment tu as mangé? J'ai dit, est-ce que tu manges ici? Mais regarde ton ventre. Manger ici. Comme ça. Toujours, c'est la même chose. Crabe, boulot, crabe. Comment je peux manger dans ça là? Je suis venu maintenant. Toi, tu manges pas ici. Allez, tu manges pas ici. Thérèse, sors d'ici. Sors de ma maison. Tu te prends pour qui là? Elle est chez elle ici. Et c'est moi qu'elle vient voir. Alors, ton problème est où? Dosso, c'est moi qui ai pisé l'eau pour que tu puisses construire cette maison. Tu as oublié. Non, j'ai le droit de me plaindre. Et après? Jérémy, Tété, allons dedans. D'accord. Allons, chien. Vous n'allez pas rentrer dans cette maison. Aïe, mais pourquoi? Vous n'allez pas rentrer dedans. Tu vas aller construire pour elle. Non, c'est pas grave. Allons chez mon frère, je vais te demander les nouvelles. Ah, allons. Partez, hein. Partez. Mais si elle revient ici, là, si elle n'est pas morte, là, non, c'est que c'est moi, je vais mourir dans cette maison. Mais je vous attends ici. Hé, hey, Dieu. Bonjour, Tessa. Hé, hey, bonjour, mamie. Bonjour, Tessa. Bonjour, hé, hey, elle est là. Oui. Comment ça va? Très bien. Il paraît que tu étais à Paris. Oui, c'est vrai. Et qu'est-ce que tu m'as amené de là-bas? Cola et puis robe de nuit. Ça, c'est bien. En plus, tu sais mes goûts. Ah bon? Qu'est-ce que tu as vu là-bas? Hé, tante Mika. J'ai vu beaucoup de choses. J'ai vu la tour Eiffel. J'ai même envoyé ça à mon mari Dubé. La tour? Tu l'as déplacée jusqu'à Abidjan? Non, c'est pas la grande. J'ai acheté un petit comme ça. Ah, voilà. Et, pardon. Et puis là-bas, dans les rues, là, il y a la glace partout. Quand on achète poisson, on n'a même pas besoin de mettre ça au congélateur. Là-bas, toutes les rues sont climatisées. On est foutu avec Eliana. Oui. Qu'est-ce que tu as mangé? Bon. Eliana, pardon, aide-moi peut-être. Tu veux manger du poulet polynésien? Vous avez vos recettes, ma fais ce que tu veux. Hey, Eliana. Oui, maman. Bonjour, mamie. Ça va? Oui, ça va. Tu as fait bon voyage? Oui, mamie. Il paraît que tu as une nouvelle patronne. Oui. Comment elle est? Elle est très gentille. Dis-moi, Eliana, c'est toi qui as dit à celle qui t'a remplacée là que moi je n'aimais pas Delta. Oui, mamie. Et c'est Delta même qui te l'a dit? Non, elle m'a rien dit. Moi, mais elle remarqué que tu l'as jamais aimé. Hein? Mais celle qui est venue là, la nouvelle là, vous allez vous entendre très bien. Je peux prendre le plateau? Non, laisse. D'accord.
Je l'attends. Je vais voir à quoi elle ressemble. Maman, s'il te plaît. Oui. Combien de personnes je peux inviter? Assieds-toi. Louise, yeah. Tu peux inviter qui tu veux. Oh. C'est la joie. Donc, maman, je peux inviter Kevin alors. C'est oui. Louise, Loulou. Dis-moi, entre Kevin et toi, c'est sérieux? Oh, maman, c'est vraiment sérieux. Seulement, on attend la fin de son stage pour décider quelque chose. Oh, ma fille, je suis contente. Tu sais, maman? Non. J'aurais besoin vraiment de ta bénédiction. Clémentine, Clémentine, regarde, pour la fête là, il ne faudra pas inviter Delta. Hein. Pourquoi? Parce que j'invite Boiri et c'est sûr qu'il sera là avec sa nouvelle là. Donc il ne faudra pas inviter Delta. Laquelle? La nouvelle voisine là, ma pastor, la diviseuse là, la voleuse de mari là, je ne veux pas la voir ici. Attends, tu comprends ce que je te dis même? J'ai compris, je dis je ne veux pas la voir ici. Je dis, il ne faut pas inviter Delta. Moi je vais inviter parce que Delta. Je vais inviter Boiri, mon ami Boiri. C'est de lui qu'il s'agit. Et c'est sûr qu'il va, il sera là avec sa nouvelle. C'est moi, tout. J'ai dit, ma soeur Delta aussi va venir avec un ami. Non, Delta viendra pas. Delta viendra. Par contre, Boiri sera là avec sa Delta nouvelle. Delta viendra avec son ami et attends. La femme de Boiri, sa nouvelle femme, elle ne mettra pas les pieds dans ma maison. Si Boiri ne vient pas avec sa nouvelle, c'est qu'il n'aura Delta pas Delta viendra, il aura fait. C'est, il n'aura pas fait. Delta viendra. Il n'aura pas fait. Il n'aura fait. J'ai Delta dit, viendra. Si Boiri ne vient pas, il n'y a j'ai pas fait. J'ai dit, Delta viendra, il y a fait et sa nouvelle copine, là, je ne sais qui ne mettra pas les pieds chez moi. Delta viendra pas ici. Delta viendra ici. C'est qu'il n'aura pas Il aura fait. Bonjour madame. Bonjour. Taïsson? Taïsson? Oui madame. Pourquoi tu l'as installé ici? Comme c'est la mère de monsieur, c'est pour ça. Taïsson? Madame. La place des visiteurs, c'est là-bas. D'accord. Et pour le repas que tu as fait pour monsieur, oui. Il faudra le garder au congélateur. Il y a monsieur Gourou qui nous invite à manger. Je peux servir mamie? Je vais au salon. C'est quel grand malheur qui suit, Boiri. Hein? Mais toi, tu vas pas faire long feu ici, hein? Tu ne vas pas faire long feu ici. Compte sur moi pour te régler ton compte. Delta nous mettait mieux. Regarde-moi ça chez mon propre fils, je ne vais pas manger. Oh. Ma chère, je vais te dire quelque chose. C'est un beau. Hé, hey, il est refait. Ah bon? Ah, tu vois des normes étendues. Donc, il a décidé d'organiser une fête à mon honneur. Je t'invite, ma chère. Je tiens à ce que tu sois là. Hein. Est-ce que tu as besoin de m'inviter? Il a besoin d'organiser une fête. C'est normal que je sois là. Je vais être la pièce. Ma chère, surtout que je suis libre maintenant. C'est moi. Oui, je sais, ma chérie. Mais il faut que tu viennes autrement. Ah, comment ça? Explique-lui, Amélie. Monsieur Gou a invité Monsieur Boiri. Ah tu bon? Sais qu'il va venir avec sa nouvelle conquête. Ça, c'est sûr. Ah bon? C'est sûr. Donc, Clémentine et moi, on a décidé que tu viennes avec un homme. Un homme? Oui. Par exemple, docteur qui était? Si, pardon. Toi-même, tu sais, pardon. Pardon. Ok, ok. Trouve un autre alors. Je vais trouver ça. Clémentine! Wow. De côté, à un ami. Ah oui? Oui, mais il est. Non, non, si vous le voyez, non, vous tombez deux fois. Si de côté n'était pas là, il y a longtemps que je l'ai digéré. Hey, Amélie, chasse de côté puis croque-le. Non, pour le moment, il n'est pas encore tard. On va l'utiliser pour douler le cœur de Boiri. Et puis après, tu le récupères. Après, je le récupère. Et après, le récupère. Non, après, tu le récupères. Ok. Après, tu le récupères. Mais attention. Faut pas venir comme tu viens d'habitude là, dans tes pailles Mathilde là. Non, sois sur ton 31. Quel métier, hein? Quel parce que lui là, ah non.
Non. Ne vous en faites pas. Mm-hmm. Ne vous en faites pas. Mm-hmm. Comme moi, je t'aime. Et puis, Bouiri m'a vu là. Mm-hmm. Il va me retrouver aujourd'hui. Oh, voilà. Il va me retrouver pour acquitter des talents. Ah, oh, c'est ça même. C'est ce qu'on te demande, hey, ma chérie. Ma chère, enfin, tu as ouvert les yeux. Ah. Tu n'es plus Bobolito. Ah. Et ça, c'est grâce à nous. Hein. Aujourd'hui, il va me voir. Il n'a qu'à venir avec sa malou. Moi, je vais venir. Regarde, on va voir qui est quoi dans la vie. Mais on va regretter de t'avoir laissé. Amèrement. Ok, tu t'habilles et puis tu attends mon coup de fil. Uh-huh. Dès que je t'appelle, tu débarques. Uh-huh. Hey, je vois ça d'ici. Hey, Dieu est chaud. Il n'a pas dit qu'il est malin. Hey, je vois ça d'ici. Il va tomber en transe. Il va piquer de ses colères. Et puis même, plus grave, il va avoir une attaque cardiaque. Et c'est ça même. Et c'est ce qu'on recherche. C'est l'effet qu'on recherche. Bon, Amélie, on va aller faire les pousses. Oui, on va faire les pousses. Bon, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Tesson. Tesson. Oui, mamie. Viens, viens. Où il est? Qui? Ton patron. Ah, on dirait qu'il dort. Va me le réveiller, qu'il vienne m'expliquer le gris-gris qu'il a mis ici, là. Ok, mamie. Bouiri même. Il est tombé aussi bas, hein? Mais c'est quel malheur qui suit mon fils comme ça. Je préfère encore Delta. Aïe. S'il faut qu'il reste célibataire, là, il va rester célibataire. C'est quoi ça? Hé, maman. Qu'est-ce qu'il y a encore? Tu n'as pas vu ce que ton frère a installé ici, ce bout de personne-là. Elle m'interdit de m'asseoir à cette table-là. Hein? En tout cas, elle ne va pas s'installer ici. Ça, c'est très bien fait pour toi. Hé, hey, toi là, ne me parle pas comme ça. Hein. Tu m'entends? Tu n'as pas vu son comportement? Hein? Dans la maison de mon propre fils. Madame, pardon. Tesson m'a dit qu'elle allait au salon. Faut la trouver là-bas. C'est pour une fois une qui résiste. Oh, va là-bas. Regarde-moi ça. Dans tous les cas, je suis là pour elle. Elle va venir me trouver ici. C'est quoi? Mon fils, on m'a interdit de m'asseoir où je veux. C'est ça. On dit quoi? C'est quoi encore? Je dis, oh, toi là, on a encore une histoire de divorce à régler, on n'a pas encore fini. Et qu'est-ce que tu allais me ramasser là? Quelque chose comme ça qui n'a pas de hauteur. Oh, oh. Hein? Ça, je sais que c'est Oupo qui est allé encore te raconter des histoires. Laisse Oupo en dehors de ça. Est-ce que moi-même là, je n'ai pas vu, je n'ai pas Dieu pour voir? En tout cas, celle-là, je ne l'aime pas. Hein. Mais tu es tombé bas, mon fils. Quoi, c'est dans la nuit que tu l'as ramassé ou bien quoi? Ouais. Toi-même, tu n'as jamais aimé mes femmes. Oh, laisse ça là. Je préfère encore Delta. Je préfère Delta. Hein? En tout cas, si tu t'entêtes à garder celle-là ici, tu vas devoir choisir entre elle et moi. Ça va. Non, j'ai compris. Hein? J'ai compris. De toute façon, on va en reparler. Comme M. Gou a invité madame et moi à une petite fête là, je vais finir de m'apprêter, puis je... Mais on a le temps d'en reparler. Je vais redescendre tout de suite. Quelque chose comme ça, on appelle ça madame. Madame. Un gris-gris comme ça, là, tu appelles ça madame. En tout cas, s'il faut que tu restes célibataire à vie, là, tu le seras. Sinon, moi, là, c'est que je ne suis pas là. Je voudrais qu'on lève les verres pour saluer cette retrouvaille, cette réconciliation. Allez, à la réconciliation. À la réconciliation. Voilà. C'est ça. Allez, à la réconciliation. À la réconciliation. À la réconciliation. Chérie. Voilà. À la réconciliation. Mais j'ai rien goûté. J'ai rien goûté. Allez dans ma bouche. Mmh, on recommence. Mmh. Ah. Allez. Attends. Merci. Ah, voilà. Louise, allez, voilà. La réconciliation. Louise, ah merci. Elle est où? Elle arrive. Viens. Voilà. Oui, maman. Oui, chérie. Tu es toute belle, ma fille. Ah ouais. Tu vas dans mon camping, attends le soir. Mon chéri, tu vas me chercher les deux autres assiettes là, Damis Girl, s'il te plaît. Elle est toute belle. Toute belle. C'est ma fille, ça. C'est ma fille, la fille de son père. C'est notre fille. Oh non, laisse ça. Voilà. Mais tu es où? Attends, depuis là. Là, c'est pas depuis là. Elle est devant la porte. Elle est devant la porte.
mon ami. Ah, mais il est en voyage. Oh, la semaine prochaine. Célibataire en Dieu. Oh, ben on est là. De toute façon, on va consacrer cette journée à la méditation. Oh, non, pour moi, ça ne me gêne pas toujours. Voilà. Miss Univers. Regarde comme elle est belle. La la la. C'est une femme qui était toujours dans les pagnes là dedans. Tu es toute belle, ma fille. Je te dis. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, madame. Oh, bonsoir, monsieur. Bonsoir, madame. C'est madame Go. Madame Décoté. Enchantée, monsieur. Monsieur Canon. Ah, monsieur Canon. Ah, vous êtes Canon comme votre nom. Vraiment. Bon, vous allez prendre place ici. Alors, oui. Bonjour, monsieur Go. Ah, j'oubliais. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur dame. Bonjour, madame. Allez-vous. Voilà, allez, tu t'assois. Et tu t'occupes de nos invités. Mm-hmm. Vous êtes mes invités d'honneur. Vous savez, merci. Faites comme chez vous. Oh, ah, non, 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 vous êtes chez vous. Louise. Oui, maman, moi, de la pièce. Voilà. Non, mais voilà, pour deux assiettes, mes invités, je tiens à le voilà, et deux verres aussi. Hein? Ah, qui ne manque de rien. Alors, ça va. Ça va, madame. Ah, monsieur Canon. Oui. Ah, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Oh, je suis chercheur. Ah, chercheur, c'était pas tant, chercheur. Oui. Si Florence ne vient pas, on passe à table. Oh non, chérie, sois patient, hein? C'est pas. Hein? Ah, monsieur Canon! Bon, allez, mange, je te prie. Oui, mange un peu l'autre. Non, mais pas l'autre, là, mais ça, c'est bon. Oui, d'accord. Un peu le coca, et elle vous manque là. Tu me dis quand ça va, hein? Ah, ça va? Oui, ça va. Ok. Laisse-moi faire ça. Voilà. Oh là là. Ok. Ok. Oh là là. Pardon? Une femme mariée, je ne peux même pas avec des gens. Des hommes qu'elle ne connaît pas. Mais c'est pas bien. C'est pas bien. Mais est-ce que tu as vu son habillement? Elle est nue là. Elle est complètement nue. Si je te jure. Une que... mère de famille. C'est... Elle me provoque. Si c'est moi qu'elle provoque. Non, non, je lui dis un mot. C'est pas de la provocation. Si c'est pas de la provocation, pourquoi elle vient avec son amant? Alors qu'elle savait que j'allais être à cette invitation. Voilà pourquoi elle vient avec son amant? Voilà ce que je voulais dire. Alors, c'est de la provocation. Mais c'est Clémentine qui crée oui, tout ça. Okay. Je te jure. Tu as un problème. Moi, j'ai pas de problème. Non, c'est eux qui ont des problèmes. On est en train de causer entre nous. On cause entre nous. Entre quels vous? Vous parlez de quoi? Hein? Ben, ça veut dire quoi ça, Michel? Mais c'est qu'est-ce que tu as entendu? Mais qu'est-ce que vous pensez qu'on ne vous entend pas de là-bas? Non, mais moi je défends mes principes. Tu défends quels principes? Non, parce que moi je ne peux pas accepter que moi, mon épouse se promène nue avec des inconnus. Voilà. Hé, 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 toi la ferme, hein? Tu peux pas. Je dis, hé, oh. Non, attends. Descends. Ah, Michel, reste sur tes pieds. Et tu peux plus, tu m'écoutes. Tu parles de qui? Qui est ta non, femme là? Cette... Ta femme, c'est qui? On n'a pas prononcé le divorce. Mon ami. Non, on n'a pas prononcé le divorce. Donc, qu'elle se rappelle au moins qu'elle reste la maman de mes enfants. Et puis quoi encore? Mais c'est une question de moralité. Et puis quoi encore? Non. Michel, on est venu chez les gens, s'il te plaît. Mais c'est chez les gens. Tu l'aimes ta vie? Non, mais provoque chez les gens. Qui te provoque? Voilà. Est-ce que tu peux écouter les autres un jour? Mais ça veut dire quoi ça à la fin? Non, allons, allons. Attends, tu es venu me mettre ici pour que les gens me regardent? Non. Alors que tu me faisais croire que ton ami faisait sa réconciliation et pourtant c'était toi qui devais te réconcilier? Non. Non, mais vous. Hé! Hey! Toi, attends, hein. On va te soulever d'un moment à l'autre, alors tu la fermes. J'ai pas affaire à toi. De toutes les façons, c'est la même bande là. Toi, je vais te dire une seule chose. Elle est nue, elle n'est pas nue. Ça, ça ne me regarde pas. Moi, je savais que ça allait se terminer comme ça. Ça, je le savais. Excusez-moi. Allons dans la chambre. Non, mais c'est pas vrai. Et c'est comme ça vous êtes. Vous ne finissez pas de divorcer. Vous ramassez les gens pour mettre dans vos maisons. Après, c'est pour dire on n'a pas encore divorcé. Donc, tu es marié ici. Tu es marié ici. Écoute, c'est une question. Non, non, non. Fais ton mariage. Moi, je vais rentrer chez moi. Fais ton mariage. Aujourd'hui, tu as une femme. C'est bien. Tu as raison, Michel. C'est moi qui ai ramassé mes bras pour venir me mettre chez toi. Toi, comme ça, tout le monde connaît dans le quartier là. Oh, attends, fous-moi. On va passer à table. Madame, excusez-moi. On va passer à table. Regarde, toi. Non, attends, non, attends laisse-moi. Attends. Lève-toi, lève-toi en partie. Non, non, faut te calmer. Oui, attends, mon ami. Lève-toi en partie. Calme-toi. Toi, lève-toi en partie. Qui? Toi. Allez où? Monsieur. Mais allons à la maison. Monsieur, je vous en prie. Vous parlez à une dame. Oh. Soyez quand même galant. C'est à toi que je parle. Non, allons à la maison. C'est entre lui et sa femme. Vous n'avez rien à voir dedans. Tu me laisses tranquille. Hein. Michel, tu me laisses là où je suis. Tu as compris? Je suis venue avec toi. Attends, quoi? Je ne suis plus ta femme. C'est à moi que tu dis ça? Je suis libre de faire ce que j'ai envie de faire. Je ne suis pas venue avec toi. Tu es venue avec qui? Restez en dehors de cette affaire. Toi, non, non, non. Alors, vous la connaissez? Son premier où? Vous connaissez l'histoire de cette femme? Non, non, attends. Ne parlez pas avec lui, oh! Il s'est sorti d'ici. Si vous connaissez, moi, je vous jette dehors. Tu sors? Vous sors avant que moi je casse la gueule. Moi, je vous jette dehors. Je vous jette dehors. Je suis à ma résidence ici.
Si vous continuez, moi je vous jette dehors. Faites des galanteries quand même. Quelle galanterie? De courtoisie. Voilà, sortez. Vous sortez. Vous sortez. Vous sortez. Pourquoi alors? J'ai dit. Mais vous ne pouvez pas sortir. Non, vous ne pouvez pas. Non. Faites-le sortir. Vous ne pouvez pas. Non, faites-le sortir. Regardez-moi. Je dis. Faites-le sortir. Cassez la tête. Vous vous prenez pour qui? Vous connaissez l'histoire de cette dame? Faites-le. Vous connaissez l'histoire de cette dame? Je l'ai quand même. Attendez. Faites-le sortir. Je dis. Est-ce que vous connaissez l'histoire de cette dame? Parce que le sang coule ici. Faites-le sortir. Vous connaissez son histoire? J'ai dit. Non. Avec qui tu es venu, c'est qui cette femme-là? Ah bon? Ah bon, oui? Donc vous avez fait exprès? Que l'exprès? C'est exprès! Oh, oui. Quoi? C'est exprès! Oh, non! Je sais, c'est exprès! Tu quoi? Tu quoi? Calme-toi! Toi, moi, je vais te dégonfler! Moi, je vais te gonfler! Moi, je vais te gonfler! Tu as fait quoi, même? Oui, attends! C'est comme vous avez créé là! Oh, on s'en fout! Oh! Un irresponsable comme ça, tu crois que c'est le seul? Mais t'as comme ça, ma copine. Tu n'as pas dit que tu es malade? Oh, c'est toi, Victor. On a gagné, clé. On a gagné. La famille à moi, c'est lui, c'est toi. La famille à moi, c'est lui, c'est toi. La famille à moi, c'est lui, c'est toi. La famille à moi.